Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous pétez la forme. En tout cas, moi oui, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, comment faire un radar, tout simplement, le faire le système et faire le radar en lui-même. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. N'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas évidemment aussi le code créateur Nabro-du-bas YT dans la boutique. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Maintenant, on va passer tout simplement à la phase physique, donc comment faire ce radar. Il faudra juste la galerie primitive, hein. C'est super simple, voilà. C'est vraiment fait d'une façon très simple, mais faudra être précis, donc voilà. Je vous conseille vraiment de regarder bien attentivement. Alors du coup, vous allez tout simplement venir dans les galeries primitives en prenant ce petit bloc là, donc le plus petit bloc que vous voyez là-dedans, et vous allez le mettre en argent. Donc on cherche argent, yes, ici, voilà, on l'a en argent, donc c'est en gris, hein. Mais là il y a beaucoup de soleil, c'est vrai qu'on voit pas très très bien. Hop, vous le prenez, voilà. Maintenant vous avez le bloc, vous allez rétrécir à fond, voilà, très clairement, et vous allez un peu augmenter la hauteur. Donc la hauteur pour le moment c'est pas important, voilà, vous pouvez l'augmenter comme vous voulez, le radar il passera très bien dessus. Bref, on regarde bien qu'il est bien droit, donc... Pour vérifier s'il est droit, vous faites juste rester longtemps appuyé sur la flèche de droite et vous le placez. Voilà, comme ça on est sûr qu'il est bien droit. Et on le place un peu au sol, comme ça. Voilà. Ok, maintenant, super important. Vous allez prendre du coup le bloc. Vous allez le remettre à sa taille normale. Vous allez simplement le prendre. Pour le mettre à sa taille normale, c'est très simple. Il faut juste rester appuyé longtemps sur la flèche de droite en étant en axe de rétrécissement. Vous le récupérez et vous allez faire exactement les mêmes configs que moi. Donc vous faites... du coup en largeur c'est pas important, donc vous voyez ici hein, j'ai fait un exemple, vous allez faire 1, 2, 3, 4, voilà, donc pour ma part c'est ici, et vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 fois du coup en hauteur. Bref, on va quand même récupérer celui-ci, et du coup vous le placez ici juste au milieu. Donc ce qui va être chiant avec ça, c'est que pour placer au milieu il va falloir être précis, et pour être précis il va falloir faire se fixer sur la grille 0. Donc voilà, on essaie bien de le placer au milieu, donc on essaye et on regarde bien plusieurs fois. Voilà, là c'est environ au milieu, c'est vraiment bien, c'est pas mal, voilà, on voit tout. Ok, maintenant vous allez tout simplement copier du coup votre bloc que vous avez ici, et vous allez faire 12 fois vers le bas. Donc là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, super important, voilà, et vous allez un peu le rentrer. Donc encore un travail de précision évidemment, hop, fixé sur la grille 0, et on essaie de bien le placer, donc voilà, et vous essayez de bien le placer dedans. C'est super simple, hein. Vraiment, ça a l'air vraiment galère, mais voilà, vous voyez que ça peut être super simple. Vous devrez juste avoir voilà, le bon timing, donc voilà, vous voyez que c'est vraiment limite maintenant, plus trop que je bouge, voilà, il est exactement dedans, donc voilà, quasi parfaitement dedans. Voilà, vous le placez juste comme ça. Alors ici vous allez juste récupérer celui-ci, hein. Vous allez rétrécir la hauteur du coup à fond, voilà, et vous allez juste le placer en dessous, hein. Ça fera du coup votre pied, encore un travail de précision, fixé sur la grille 0 pour le moment. Hop, voilà. C'est beaucoup se fixer sur la grille 0, c'est pour ça que ça s'est tendu. Donc hop, voilà. Il faudra vraiment être précis. Voilà, vous voyez déjà que la forme a déjà été un peu créée, du coup, comme celle d'ici. Voilà. Super important, évidemment, toujours vérifier, les gars, parce que j'ai oublié de dire ça. Mais il faut pas qu'il y a trop qui dépasse. Il faut vraiment que ce soit... ouais, pas vraiment, vraiment pas trop. Alors, maintenant, je vais être assez embêté, et vous aussi d'ailleurs, parce que je crois que c'est un objet glitché. Du coup, ceci, c'est vraiment un objet glitché. Donc, si vous avez des glitches pour sortir des maps, je vous donnerai une map, n'hésitez pas à aller voir en description, il y aura un code de map qui sera marqué simplement, aussi il y aura cet objet glitché. Donc, regardez en description si vous avez des glitches pour aller dans les autres maps et récupérer les objets, ben, n'hésitez pas à le faire pour récupérer cet objet. Mais, bref, en tout cas, voilà, le code de la map est affiché juste en description, n'hésitez pas à aller le voir. Donc, ici... simplement on va replacer ça du coup à son truc normal, hop, voilà, et vous allez venir le placer juste donc environ ici, voilà, vous voyez qu'ici ça dépasse, et justement le but c'est que ça ne dépasse pas, voilà, on essaie de placer environ ici, donc là ça dépasse sur le côté, attends, hop, on va faire ça, voilà, bref, c'est placé comme ça, et maintenant vous allez récupérer simplement la lumière de donc personnalisable là, que vous avez récupéré tout à l'heure pour faire le système, et vous allez venir la placer évidemment du coup dans votre radar. Donc super important, vous allez voir, il faudra le passer sur la grille 0 encore une fois. Voilà, vous voyez que ça dépasse, et ce qui est assez chiant c'est qu'il faut rentrer à l'intérieur, donc se mettre en mode transparent et rentrer à l'intérieur et le pousser un petit peu. Voilà, vous voyez que ça a poussé, voilà, là il est parfait, je sais pas pourquoi je l'ai mis bien parfait. Voilà, ça faudra vraiment que ce soit sur le bord et ça soit comme ça. Maintenant vous allez récupérer le triangle qui est juste ici, donc hop, on le récupère, et celui-ci vous allez aussi le mettre en argent, donc hop, on va dans argent encore une fois, voilà, on le récupère. Et du coup, il va falloir le mettre dans la bonne rotation. Donc, ça va être, ouais, comme ça. Du coup, le coin, voilà, il devrait mettre, voilà, il devrait être comme ça. Et maintenant, ça va être la taille. Alors, pour les tailles, je vous conseille toujours de vous mettre fixé sur la grille 32. Vous allez rétrécir la hauteur, du coup, au plus fin possible. Voilà, vraiment le plus fin possible. Ou environ le plus fin possible, hein, c'est pas trop obligé. Voilà. Et ça, vous allez le mettre, du coup.
coup, faudra vraiment le faire à votre façon. Donc pour ma part, on va pas le faire trop, mais il faudra quand même le faire bien. Voilà, fixe sur la grille 0, encore une fois les gars, vraiment c'est hyper chaud. Mais il va falloir vraiment faire un petit effort quand même et pouvoir le faire. Donc voilà. Hop. Dommage qu'on peut pas vraiment en gros avoir des cases. Ça, c'est vraiment les gars. Ça vraiment les gars, n'hésitez pas à faire un report pour ça et demander ça à Epic Games. Ce serait en gros un genre de carré. Est-ce que tu le places? Et en gros, les gens peuvent le récupérer par exemple, tu vois. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, un peu, il y a des jeux sur mobile, tu peux faire ça, des jeux de Minecraft, comme ça, j'ai déjà vu. Donc, j'y ai pensé un jour. Vraiment, ça pourrait vraiment être pas mal. Genre, tu fais tout dans une case. Par exemple, tu prends par exemple un carré. Là, il y a trois trucs dans le carré. Je sélectionne trois carrés comme ça. Et c'est bon, tout ce qui est dans trois carrés, je peux le copier et le mettre où je veux. Parce que là, on doit tout copier comme ça un par un. C'est vraiment chiant et galère des fois. Donc, ce sera vraiment une bonne idée d'Epic Games. Donc, pendant qu'on est en train de le placer, voilà. Là, il est bien placé. Faudra essayer de faire ça. Je sais que c'est très chiant. Vous allez peut-être avoir la flemme totalement, mais il va falloir le faire. Et du coup, ici, vous allez le replacer. Mais vous allez voir que le prochain, ça va être large plus facile. Donc, hop, on reprend. Vous allez voir que pour faire l'arrière, c'est plus facile parce que vous allez juste copier-coller vos trucs et vous les replacer. Donc, voilà, comme ça. Là, et c'est pas grave s'il y a des petites lignes comme ça. Mais essayez, voilà, là, on voit qu'il est un peu décalé. Ça, c'est un petit problème. Hop, voilà. Donc là, on voit qu'ils sont un peu décalés. Faut pas que ce soit décalé comme ça. Donc, oh, c'est vraiment tendu, les gars. Voilà, et vous essayez de placer le plus que vous pouvez. Voilà, maintenant que vous avez placé du coup les genres de deux trains comme ça, vous allez venir les copier. Donc, flèche de droite évidemment pour les copier. Donc, pour PC, je sais pas c'est quoi. Et du coup, vous allez les tourner donc dans le sens pour le mettre évidemment de ce côté-ci. Donc, hop, et on va essayer de le placer. Voilà. Bref, maintenant on va passer du coup au-dessus. Vous allez prendre du coup ce genre de triangle, simplement juste un triangle avec un côté plat. Voilà, simplement. Il faut vraiment que le côté il soit vraiment bien plat. Vous prenez ce triangle ou un triangle simplement qui a cette possibilité du coup d'être plat d'un endroit. Voilà. Et n'oubliez pas évidemment, c'est pas important, enlever la hauteur. Donc hop, on rétrécit à fond. Voilà, yes. Bref, on le place dessus. Toujours fixé sur la grille 0, c'est vraiment chiant. Faudra vraiment être précis, je le sais, les gars, c'est vraiment chiant. Et du coup, vous allez faire la même chose, mieux à l'envers, du coup, de l'autre côté. Voilà, bref, environ là, c'est bien placé, je trouve. Voilà, vous avez votre radar, donc là, il est un peu plus haut que l'autre, j'ai l'impression. Ouais, il est large plus haut que l'autre. Mais je trouve que ça va. Alors, maintenant, pour l'écran, c'est très simple, vous allez dans vos galeries. Pour ceux qui veulent le nom de la galerie, c'est galerie, la plateforme, accessoire. Hop, et là, vous allez trouver un genre de télévision noir. Du coup, vous allez la placer. Donc, fixe sur la grille cette fois-ci, pour la passer bien droite, comme ça, en fait, simplement. Hop. Mais évidemment, il faudra toujours après faire en grille 0. Pour le moment, vous pouvez toujours regarder en grille. Pour rétrécir, super important, j'ai pas dit ça, mais pour rétrécir, je vous conseille de faire en gris quand même en gris 32. Bon, après, si ça fonctionne pas en gris 32, vous le faites en gris 0, c'est mieux. Vraiment, la gris 0, ça peut être vraiment hyper utile. Voilà, d'abord, ça fait un petit éclairage, je trouve ça assez marrant. Je trouve ça un peu bizarre quand même que la télé elle est noire du coup, mais qu'elle éclaire quand même pas mal. Voilà. Bref, on l'a placé, voilà, comme ça on l'a placé ici. Et du coup, vous allez placer du coup votre texte juste au-dessus. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'à maintenant. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. N'oubliez pas la petite cloche pour avoir toutes les notifications. N'oubliez pas le petit like si cette vidéo vous aura plu. Code créateur Nabro-du-bas YT dans la boutique Fortnite, c'est super important. On est plus de 2000 soutiens, vraiment c'est juste énorme. Merci à tous. Nous on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. C'était Nabro, portez-vous bien. Peace.